Madame Dalé, née Couton Prise aux Constances. Je suis originaire du Cameroun et j'ai 32 ans. J'ai un fils, et d'ailleurs mon unique fils, appelé Dalé Zibié de Zone Yohan. À partir de l'âge d'un an, on s'est rendu compte qu'il n'évoluait pas comme tous les autres enfants. Et actuellement, il a 3 ans et 9 mois, il ne parle pas, il ne marche pas. Et on nous a dit au Cameroun qu'il avait des problèmes dans le cerveau, au cœur, qu'il avait des problèmes aux testicules, qu'il avait des problèmes au nombril et aussi au niveau des pieds. Donc il avait besoin de subir beaucoup d'interventions chirurgicales. Donc grâce à notre assurance au Cameroun, on a pu découvrir que l'Inde était un pays où la médecine était très développée, mais aussi moins coûteuse par rapport à d'autres pays de l'Occident. Donc c'est comme ça que mon mari et moi, grâce à notre assurance, avons décidé de venir avec notre fils au Cameroun. Je suis arrivée toute seule avec lui et puis j'ai été mise entre les mains d'une agence ici en Inde qui s'appelle Medidience. Ils m'ont accueillie depuis l'aéroport et déjà même au Cameroun, on était en contact, ils me rassuraient. C'est eux qui m'ont aidé à avoir mon visa en ligne et me disaient tout ce qu'il fallait. Je n'ai vraiment pas du tout souffert. Arrivée à l'aéroport ici en Inde, ils m'ont assigné quelqu'un d'eux appelé Talmoy qui est venu me chercher à l'aéroport. Il m'a conduit dans notre hôtel, une bonne chambre, et ensuite nous sommes allés à l'hôpital pour consulter le médecin. Naturellement, c'était un cardiopédiatre qui devait regarder l'état de l'enfant et puis qui devait l'opérer. Il s'appelle Dr Mutu Jyoti. Donc, on a eu une consultation et puis on a retenu l'enfant à l'hôpital. Il était question pour eux de faire eux-mêmes un check-up et de voir à quel niveau était l'état de santé de l'enfant. Et ils ont découvert que réellement l'enfant avait besoin d'être opéré au cœur, aux testicules, au nombril et puis aux pieds. Donc, on a fait pratiquement 12 jours à l'hôpital. Il a eu 3 interventions, une au cœur, une au nombril et puis une au testicule. Grâce à Dieu, tout s'est très bien passé. Et après les 12 jours, nous avons pu sortir de l'hôpital sain et sauf, toujours accompagné par Medidience à tous les niveaux, pour les différentes consultations. Ils étaient là, pour mes questions, ils étaient là, parce que c'était ma première expérience. Et en tant que maman, toute seule avec son fils, j'étais parfois effrayée, mais ils étaient là pour me rassurer et pour me guider. Et juste après qu'on soit sorti de l'hôpital, ils nous ont guidés à l'hôtel qu'ils nous avaient montré au départ où on a été logé. Et je voudrais vous rassurer que l'hôpital où nous avons été internés, notamment Apollo, nous avons été bien encadrés, que ce soit par le docteur Jyoti Mutu, par ses autres collègues, naturellement ceux qui devaient l'opérer au nombril et puis aux testicules. Les infirmières, elles étaient de très bonne qualité, toujours aux petits soins, souriantes, en train de venir s'informer de comment va l'enfant. Vraiment, parfois, c'était 5 infirmières qui étaient autour de lui pour lui faire des câlins et aussi pour me rassurer, parce qu'à des moments, elles sentaient que j'étais stressée. Donc vraiment, je ne dirai jamais assez merci à Medidience d'avoir pris autant soin de mon fils et moi. Et nous allons rentrer au Cameroun sains et saufs. Alors vous tous qui pouvez avoir des soucis de santé, venez en Inde et soyez conduits par Medidience. Vous ne serez pas déçus. Merci.